Je ne dois pas mourir pour Emily. Je souffre de maladies. Si vous ne me libérez pas, je dois m'en mourir. Maintenant même, monsieur le président. Monsieur Jamal, on te pose de connaître M. Bitakoura. Pardon, je suis innocent. J'ai 82 ans. Je ne dois pas voler l'argent pour le peuple congolais. J'ai fait 40 ans dans cet pays. Je suis le grand commerçant dans ce pays. Je ne dois pas voler l'argent pour le peuple congolais. Je ne dois pas voler 1 million. Monsieur Jamal, on te poursuit qu'on est M. Bitakoura. Les premiers témoins, M. Bitakoura. Qu'est-ce que c'était la parole de M. Bitakoura? M. Bitakoura, soulevez la main droite, je dois dire la vérité, rien que la vérité. Au nom du chef de l'État et mon autorité, je dois dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu connais M. Jamal? Oui, M. le Président. Première fois que j'avais raconté M. Jamal, c'était dans le bureau de M. Kamé. Si je me trompe. Est-ce que tu n'as jamais entendu un projet de construire 1500 maisons? Oui, j'ai entendu ce projet. C'était la lettre envoyée par M. Kamiri dans mon bureau. Qu'est-ce que c'était la lettre? Mais... Bienvenue en Afrique du Sud. Quittez au courage. Non, mais Melo, les bêtes. Animateur, on a vu Végéta. Il y a Tigala, il y a Lulu. Tu en es en Afrique du Sud déjà. Il est presque 3 heures. On a récupéré. On l'a mis là, mais Melo. Merci, Patrick. Quittez au courage. Voilà.
Après 100 jours de chef de l'État, on a détourné 57 millions de dollars américains. Les premiers témoins, M. Bitakwira. Qu'est-ce que c'était la parole de M. Bitakwira? M. Bitakwira, soulevez la main droite, je dois dire la vérité, rien que la vérité. Au nom du chef de l'État et mon autorité, je dois dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu connais M. Jamal? Oui, M. le Président. Première fois que j'avais raconté M. Jamal, c'était dans le bureau de M. Kamel. Si je me trompe, est-ce que tu n'as jamais entendu un projet de construire 1500 maisons? Oui, j'ai entendu ce projet. C'était la lettre envoyée par M. Kamel dans mon bureau. Qu'est-ce que c'était la lettre? M. Bitakwira, j'ai envoyé une lettre pour signer pour un projet qui vient de construire 1500 maisons par 57 millions. Ma dernière signature, c'était le 15 juillet. Si je trompe, M. Kamel là. Monsieur Kamere, ça Monsieur Bitakwira qui vient le dire, c'est vrai, Monsieur le Président. Moi, je ne comprends pas le peuple congolais. On parle les choses que les personnes qui ne sont pas dites. C'était d'abord 47 millions. Aujourd'hui, ça est devenu 57 millions. Monsieur le Président,
je regrette. Monsieur Bitakoura, les choses que toi tu parles, monsieur Kamer, ne confie pas ça. Monsieur le président, moi Bitakoura, même si je suis court, aucune personne qui doit me tromper. Ma dernière signature, c'était le 15 juillet. Monsieur Djamal, est-ce que tu connais monsieur Bitakoura? Je suis innocent. Je suis innocent. Je ne dois pas mourir pour Émilie. Je souffre de maladies. Si vous ne me libérez pas, je dois m'en mourir. Maintenant même. Maintenant même, monsieur le président. Monsieur Djamal, on t'a pas de connaître monsieur Bitakoura. Pardon? Pardon, je suis innocent. J'ai 82 ans. Je ne dois pas voler l'argent pour le peuple congolais. J'ai fait 40 ans dans cet pays. Je suis le grand commerçant dans cet pays. Je ne dois pas voler l'argent pour le peuple congolais. Je ne dois pas voler 1 million. Monsieur Djamal, on te poursuit qu'on aime ce Bitakoura. Pardon? Pardon? Je suis innocent. Je suis innocent. J'ai 82 ans. Je ne dois pas voler l'argent pour le peuple congolais. J'ai fait 40 ans dans ce pays. J'avais pris les photos avec M. Mobutu. Vous avez dit mon enfant qui a signé cette signature. Oui, il a signé. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Merci beaucoup.